Bien, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau programme dédié à un musicien qui a dédié sa vie à faire briller l'héritage musical de Ciné Bécher dans le monde entier. Et ce musicien, c'est Marc Laferrière. Marc Laferrière, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de nous recevoir chez vous, dans l'ouest de la France. Oui, c'est ça, dans la région de la Douce Angevine. De la Douce Angevine. Très bien. Ma première question, ça va être quel est votre premier souvenir d'avoir écouté un disque de jazz? J'imagine que pour vous, d'avoir écouté Do You Know What It Means to Miss New Orleans, ça a été un petit peu l'élément déclencheur? Non, Non? non, non. Non, la première fois que je suis venu au jazz, c'est pas du tout par hasard, c'est que je suis issu d'une famille nombreuse, donc il y avait beaucoup d'enfants. Mon frère aîné avait 6 ans de plus que moi, mon frère en dessous 6 ans de moins. Entre les deux, il y avait des filles, ça ne m'intéressait pas, mais. Voilà, la chose est venue de. Je me suis aperçu après, en réfléchissant bien, en me psychanalysant tout seul, que mon amour du jazz est venu au moment de la libération. Au moment de la libération, j'avais 9 ans et demi, presque 10 ans, et du fait d'avoir une famille nombreuse, dans de la petite bourgeoisie, il y avait une aide à la maison qu'on appelait à l'époque une bonne et qui, elle, écoutait la radio toute la journée dans la cuisine. Et du jour au lendemain, j'ai vu on passait de la chanson réaliste à la radio à beaucoup d'airs d'une musique qui était très rythmée et qui, du fait de l'arrivée des Américains, passait beaucoup de Glenn Miller. Et ça me secouait pas mal. Et puis, tout de suite, quelques Français, comme Django Reinhardt, les tout débuts de Claude Luther, des grandes formations de danse comme Jacques Elian, comment ça s'appelait? Il y avait Jacques Elian, il y avait. Est-ce que vous avez été marqué par l'orchestre de Ray Ventura? Parce que plus tard dans votre carrière, vous avez reformé l'orchestre de Ray Ventura. Et Ray Oui. Ventura, pour ceux qui nous écoutent, ça a été vraiment le pionnier du jazz en France. Ah oui, parce qu'il avait commencé un peu avant-guerre, lui. Mais voilà ce qui s'est passé. C'est que moi, avant la guerre, j'avais 4 ans et demi, quand la guerre a été déclarée, 5 ans, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Par contre, il y a un souvenir extrêmement marquant et très important. C'est que mon père était un petit notaire de campagne. Or, pendant la guerre, il traitait beaucoup avec les agriculteurs, avec les terrains, avec les fermes, avec les choses comme ça. Et tous les hommes étaient absents. Ils étaient partis à la guerre, ils étaient partis dans la résistance, ils étaient prisonniers en Allemagne. Et il faut savoir qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas la signature. Donc, mon père ne traitait plus aucune affaire excepté les décès. Et il avait du mal à vivre avec ses enfants. Il était extrêmement soucieux. Or, au moment où est arrivée cette musique, en même temps, pour la première fois, j'ai vu sourire mon père et ma mère. Je les avais jamais vus rire avant. C'était trop tendu pour eux. Et j'ai associé immédiatement cette musique à la fête, à la joie retrouvée, etc. J'étais estomaqué par le fait de voir mes parents rigoler. Je me souviens que pour les 40 ans de mon père, c'était un an après la libération, il a mis un chapeau pointu avec ses copains et ils ont rigolé comme des fous. Et ça, je l'ai associé à la musique de jazz que j'entendais beaucoup. On n'entendait presque que ça à la radio pendant les 2 premières années. Et immédiatement, j'ai aimé cette musique et ça a été pour moi le déclencheur. Le vrai déclencheur, c'était ça. C'était la rigolade de mes parents au moment où on entendait cette musique à la radio. Voilà. Et c'est qu'après, à 10 ans et demi, 12, à 12 ans, 11 ans, que j'ai acheté mon premier disque
avec qui j'y ai consacré tout mon argent de poche. Je peux vous dire que ça coûtait 284 francs et c'était Bacotown Blues et Do You Know What It Means. Comme à l'époque j'avais un tout petit peu commencé à l'harmonie de mon collège à souffler dans une trompette, les premières notes que j'ai essayé de faire, c'était Do You Know What It Means. Oui, absolument. Voilà, parce que vous avez commencé avec le cornet et non le saxophone. On l'oublie parfois, mais vous imaginez ce qu'aurait été votre carrière si vous aviez continué à jouer du cornet plutôt que du saxophone? Ah ben, je me serais fait doubler par tous les copains qui étaient plus doués que moi pour cet instrument qu'est la trompette. J'aurais peut-être pas eu la petite notoriété que j'ai eue par la suite, mais il est arrivé une chose, c'est qu'il est arrivé en 47 et une première fois, et puis en 49, est arrivé Sidney Bechet avec sa canne à pêche, ses appareils de photos, et l'idée de s'installer en France après le succès qu'il avait eu énorme au Palais de Chaillot, où il y avait eu un premier festival de jazz en 1947. Il voyageait dans le même avion que Charlie Parker, et il pensait que le festival invitait Charlie Parker et que c'est lui qui allait avoir le grand succès puisque c'était la nouveauté aux États-Unis. Et pas du tout. Charlie Parker est passé presque inaperçu. Et à côté de ça, Sidney a fait un tabac monstrueux en 47, donc. Et du coup, il a décidé de revenir en 1949, invité d'ailleurs par Charles Delaunay. Et il a fait, il a démarré une carrière monstrueuse. L'impresario de Bechet, qui était Monsieur Wolf, le mari d'ailleurs de Petula Clark, m'a dit un jour, oh mais Marc, tu sais que entre 52 et 59, l'année de sa mort, quand Bechet n'était pas libre, j'envoyais à sa place Édith Piaf ou Yves Montand pour le remplacer. Et il n'avait pas la même notoriété que Bechet, sur le succès duquel s'est montée la firme des disques Vogue, qui a eu un succès énorme. Et évidemment, tout le monde voulait jouer du saxo, à tel point que chez le loueur d'instruments du boulevard Saint-Michel, j'habitais à la campagne, moi j'habitais à Étampes, mais j'avais un grand-père à Paris. Et une fois par mois, je venais à Paris avec mes parents et j'ai pu louer mon premier saxo soprano, mais j'étais en liste d'attente. Je ne l'ai pas eu tout de suite. Ils n'en avaient pas assez. J'ai attendu plus de 2 mois avant d'avoir mon premier saxo soprano. Voilà. Et là, évidemment, je copiais les disques les plus simples de Bechet, si on peut dire qu'il y a eu des disques simples, parce que c'était Bechet, c'est très compliqué, c'est très complet. C'était un musicien inouï. Hein. Il écrivait des. André Réveillotti me disait qu'il écrivait des arrangements dans le car qu'il est transporté d'une ville à l'autre en tournée, et sans avoir l'apport d'un piano ou de quoi que ce soit, il arrivait à écrire tous les arrangements d'oreille pour les musiciens de l'orchestre. De Luther au début, on oublie que Luther n'a accompagné Bechet que pendant 2 ans. Après, il y a eu friction entre les deux, pas sur des problèmes musicaux, mais Luther a toujours énormément admiré Bechet, mais sur des problèmes internes à la vie de l'orchestre. Et c'est André Réveillotti qui a accompagné Bechet pendant 7 ans quand même. Donc le plus de souvenirs, c'est finalement, les plus drôles, c'est Luther qui me les a racontés de sa vie avec Bechet. Et c'est au cours d'une émission de Jean-Christophe Averty au Caveau de la Huchette que Luther m'a présenté à Bechet avec une petite anecdote. Quand on a su qu'il allait y avoir... C'est compliqué. Je jouais avec un orchestre amateur
au Bidule, juste en face de la Huchette. C'est un club qui s'appelait le Bidule, qui est maintenant un restaurant grec d'ailleurs. Et Maxime Sory, un jour, m'avait demandé de le remplacer avec mon orchestre très amateur pendant une demi-heure le dimanche après-midi parce qu'il avait un concert et qu'il allait arriver en retard pour sa matinée du dimanche. Et pour me récompenser, il m'a dit, ben, samedi prochain, il y a une émission de télévision, je t'invite avec Stéphane Guéraud, vous venez tous les deux. Et alors nous, évidemment, on guettait des chèques dans la rue de la Huchette, et on a été estomaqués de le voir arriver complètement détendu, avec son duffelcoat en poil de chameau, son saxo à l'épaule, dans un étui souple, et vite on est descendu, et comme on avait laissé nos instruments exprès, on a fait semblant d'avoir une répétition, et on a joué, je voulais qu'ils m'entendent au soprano, quoi. Évidemment, j'avais 19 ans, ça m'excitait beaucoup, même pas, j'avais 18 ans. Et de fait, Béchette s'est approché de moi et m'a dit « Tu n'as pas le bon vibrato ». Ouais. Je lui ai dit « Oui, monsieur, je sais, mais je ne sais pas comment il faut faire ». Il m'a dit « Oh, à ton âge, et mignon comme tu es, tu as sûrement déjà sucé les nichons d'une fille, eh bien, c'est le même, tu fais le même ». Ouais. Voilà. Et après, il m'a donné une leçon. Voilà. C'était du Béchet, quoi. Ouais. Alors, Marc Laferrière, c'est intéressant que vous souleviez le fait que Sidney Béchet a eu un succès foudroyant dès les années 47-49 avec le premier festival de jazz de Charles Delaunay. Ouais. Parce que moi, j'aimerais savoir, avec le recul, pourquoi il y a eu cet engouement typiquement en France ? Parce que même si Sidney Béchet s'est produit partout en Europe, il y a eu vraiment un engouement en particulier en France sur la musique de Sidney Béchet. Et il y a une espèce de starification de Sidney Béchet. Il était obligé de circuler parfois avec deux policiers qui l'encadraient comme garde du corps. Parce qu'il y avait les attroupements sur le boulevard Saint-Germain quand il prenait son petit déjeuner. Absolument. Comment vous, avec le recul, vous analysez le fait qu'il ait eu ce succès en France en particulier? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il a trouvé des accompagnateurs qui aimaient vraiment la même musique que lui dans tous les musiciens de l'orchestre de Claude Luther, où il y avait d'ailleurs des grosses pointures. Hein. Il y avait Benny Vasseur, ou Jean-Louis Durand, ou Trombone. Il y avait d'excellents musiciens qui avaient fait des études de conservatoire ou de maison de la musique et qui adoraient cette musique, qui se sont donc consacrés à ça en ayant une assez bonne technique, ou même quelquefois une très bonne. Et ça a été une des choses. La deuxième chose, c'est qu'il parlait français et qu'il ne parlait pas allemand ou hollandais. Donc, il parlait le français créole, mais il se faisait très bien comprendre. Et ensuite, avant tout, je crois que c'est parce que les premiers disques qu'il a enregistrés étaient en même temps que dans le style Nouvelle-Orléans, de l'improvisation collective, etc., étaient extrêmement mélodieux. C'était un mélodiste, Sidney. Alors, quand il a lancé son petit fleur, en 52, ça a été la folie. Et puis en plus, c'était un bon vivant, et les orchestres connus se transportaient l'été sur la Côte d'Azur, et là, ils participaient à toutes les parades, à toutes les choses comme ça. C'est pas pour rien qu'il a écrit Le Marchand de Poissons, des choses comme ça. Et puis, il s'est marié sur la Côte d'Azur. Bon, les Français étaient très touchés que ce grand musicien de jazz vienne s'installer en France. Donc, il y a eu des émissions de radio en direct, il y a eu des émissions de télé où on voyait Béchette, mais ça, c'était un peu après, parce qu'en 1952 ou 3, il n'y avait pas beaucoup de postes de télévision. Ce n'était pas répandu. Moi-même, je crois que dans ma famille, la télé est arrivée en 1961 ou 1962, le premier poste de télé. Mais il était diffusé à tout va sur les ondes, mais à la demande des auditeurs. Il était très charismatique, Béchet, très charismatique. Hein. Ouais. Il montait sur scène et ça
ça hurlait, quoi, vraiment. C'était un showman, un peu comme Louis Armstrong, dans tous ses reportages à la télé. C'était quelqu'un qui aimait faire le show. Oui, c'était vraiment un showman, amoureux du public. Et oui, c'était fantastique. Moi, je suis allé incognito, bien sûr, l'écouter 4 ou 5 fois au concert. C'était incroyable. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote sur la fougue du jazz, enfin comme quoi les gens étaient intéressés par cette musique. Il y avait un journal qui s'appelait François à l'époque et qui tirait à plus 1 million d'exemplaires. Et quand en 1952, je faisais ma classe de philo à Orléans, j'étais pensionnaire et donc entre 5 et 6 heures, on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Et avec un copain, on s'était abonné à François. Et un jour, en première page, il y avait un entrefilet, une annonce importante avec une photo de Claude Luther. Et il y avait marqué « Ce soir au Vieux Colombier, ça ne sera pas… comment il s'appelait ?» Maxime Sory. Comment ? Maxime Sory. Non, ça ne sera pas… Dans l'orchestre de Claude Luther, le banjo est malade. Ça ne sera donc pas Escuras au banjo, mais ça sera un tel qu'on surnommait La Poêle. C'était annoncé dans un journal à 1 million d'exemplaires qu'un des musiciens de l'orchestre de Luther n'y serait pas ce soir-là, qui aurait un remplaçant. Luther, c'était le Johnny Hallyday de l'époque. Hein. C'était incroyable. Oui, et les disques de Luther se vendaient à gogo, qu'il soit avec Béchette ou pas. D'accord. Il y avait un engouement pour cette musique invraisemblable. C'était le Benny Goodman français, en fait. Oui, ouais, Non, c'était Johnny Hallyday, je vous assure. Ouais. Ah, d'accord. Ça hurlait. Marc Laferrière, quel est votre ressenti la première fois que vous avez écouté du Béchet? Qu'est-ce que vous avez ressenti personnellement? Oh ben, une grande claque, quoi. J'ai adoré ça tout de suite. Ça a été un déclic extraordinaire. Et puis, on parlait, il n'y avait pas que moi, il y avait mes copains d'école et tout ça, on n'écoutait que ça, quoi. Et puis, on a commencé à acheter des disques il y avait très peu de disques importés. Donc, quand on avait la chance de tomber sur un disque de jazz, si c'était Armstrong, Ellington, on achetait tout de suite. Sinon, on avait les disques parus en France qui étaient que des Béchettes. Et on écoutait ça voluptueusement. Maintenant, les plus initiés, plus âgés que moi, achetaient pas mal de Django Reinhardt aussi. Et puis, c'était à peu près tout. Maintenant, il y a eu un autre personnage, et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a un musicien qui s'appelait Mez Mezereau qui est venu s'installer en France. Oui, tout à fait. Et qui a écrit un bouquin qui s'appelait « La rage de vivre ». Et qui, je me souviens, quand mes parents l'ont acheté, c'était le Goncourt du moment puisqu'il s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires. Ah oui, tout de même. Et oui. Mmh. Donc, Mezereau a été l'enfant chéri du Hot Club de France, de Panassier, etc. Alors, Hot Club de France, c'était du jazz, donc tout le monde s'intéressait aussi au Hot Club de France. Il y a eu une rivalité terrible entre les équipes de Panassier et les équipes de Delaunay. Delaunay préférait Béchette, Panassier préférait Mez Mezereau, mais Mez Mezereau habitait Paris. Et il faut que je vous dise comment j'ai eu l'occasion de jouer avec Mezereau et avec d'autres musiciens américains. Moi, j'étais censé, après avoir passé ma philo avec succès à Orléans, mon grand-père m'a donné la chambre de bonne de son appartement de Montparnasse, là, et j'ai commencé théoriquement des études de droit. Oui. C'est-à-dire que je descendais toujours au deuxième sous-sol
pour retrouver l'orchestre de l'Incorpo. Évidemment, je foutais rien en droit. J'ai rencontré un autre type dans mon cas, là, Stéphane Guéraud, et on séchait les cours pour aller dans le garage de sa tante, rue de Rennes, pour souffler dans nos instruments. Et puis l'orchestre de la Corpo a commencé à bien marcher, et puis on se retrouvait tous les musiciens amateurs se retrouvaient dans ce fameux bidule en face de la Huchette. On rencontrait plein de copains, on formait des orchestres, et moi je me faisais toujours foutre à la porte de l'orchestre au bout de 3 semaines ou un mois. Ah oui? Et oui, parce que quand on joue du soprano, le son sort très loin, c'est un instrument difficile à tenir, il faut avoir des lèvres d'acier, et donc au début on joue complètement faux, quoi. Et les copains en avaient marre. Quand je me suis fait foutre à la porte de 2 orchestres, j'ai compris que si je voulais continuer, d'abord il fallait faire des progrès, et ensuite il fallait que je monte mon propre orchestre pour pas me jeter dehors moi-même. Bien sûr. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai monté mon propre orchestre, et j'ai eu l'intelligence à ce stade-là de prendre que des musiciens que j'estimais supérieurs à moi. Là, vous parlez des feat warmers déjà? Oui, c'était les feat warmers. Et d'accord. On a donc monté un orchestre. J'ai monté un orchestre en prenant les meilleurs des amateurs que je connaissais. Et on a eu l'occasion comme ça de faire des progrès D'améliorer le répertoire d'améliorer petit le à petit. Répertoire, et surtout que Maxime Sory, qui était en face et qui avait de plus en plus de succès avec ses disques Rendez-vous à la Huchette là, chez Dupretel Thompson, Maxime est devenu très copain avec nous et nous faisait faire des remplacements à la Huchette de temps en temps. Oui. Et quand on était au bidule, on était bien obligé de faire des progrès parce qu'il y avait des musiciens américains qui traînaient dans le coin. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des bases américaines en France. Oui, tout à fait. Et dans ces bases américaines, il y avait dans les militaires américains qui venaient en France, il y en avait plusieurs qui étaient des musiciens américains ces musiciens voulaient avoir le contact avec Paris. Donc, beaucoup descendaient au bidule pour voir cet assez mauvais orchestre que nous avions là, 2 ou 3 fois par semaine, on venait jouer là, gratuitement bien sûr. Et un jour, on a vu un trompettiste américain descendre, accompagné par une sorte de clochard en manteau, etc. Et il avait un engagement dans un petit bar à côté, ce trompettiste, accompagné de son clochard, et il cherchait des musiciens pour l'accompagner, quoi. Et alors, il voulait nous apprendre Mood Indigo. Oui. Et le type qui était là, le clochard, s'est mis au piano et nous a montré les notes qu'il fallait qu'on fasse. On est arrivé à monter le truc. Et on a appris le lendemain que ce clochard qui était venu nous voir, c'était Dizzy Gillespie. C'était Dizzy Gillespie. Le trompettiste, c'était Harry Williams, qui nous disait qu'il était trompettiste chez Duke Ellington. D'accord. Et nous, on ne voulait pas le croire parce qu'il n'était pas marqué sur les étiquettes, il n'y avait pas la place. Ouais. Les étiquettes des disques, etc. Mais il se trouve que du coup, on a monté un petit répertoire avec lui pour pouvoir l'accompagner quand il avait un engagement. Et ouais. Alors, il est arrivé comme un fou avec des. Et il nous a dit j'ai les billettes. Il avait des places pour le. Je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était à l'Olympia. Il avait des pièces pour un concert de Duke Ellington. Oui, alors, là vous parlez du trompettiste de l'orchestre de Duke Ellington, là, c'est ça? Oui, ouais. Il nous le disait, mais nous on ne voulait pas le croire, mais on s'en foutait, il avait l'air de très bien jouer, évidemment. Ouais. Alors,
Puis il pouvait pas donner toute sa valeur avec un orchestre amateur comme le nôtre pour évoluer. Mais enfin, il faisait des choruses magnifiques. Bon, c'était chouette, mais on n'a jamais cru. Il nous emmène oui, je crois que c'était à l'Olympia. Et il nous emmène tous à l'Olympia. On devait être en 50, début 57, c'est ça? Et il s'est assis au milieu de nous, trois d'un côté, trois de l'autre, lui au milieu, et tout d'un coup, Ellington l'a appelé pour venir jouer avec lui. Et là, on est resté tabac, complètement pâle et Et tout, on c'était n'en comment son revenait nom? pas. Comment il s'appelait? Mais je crois qu'il s'appelait Harry, c'était Harry Williams, non? Je crois que c'est. D'accord. Oui, Harry Williams. Et il était dans le pupitre des trompettes Un beau de. souvenir, effectivement. Ouais. Ouais. Donc, c'est un bon souvenir. Et c'est à la même époque qu'un jour où Maxime nous avait demandé de jouer à la Huchette à sa place, parce qu'il avait un gala ailleurs, et que le directeur de la Huchette, voulait bien nous prendre une fois de temps en temps. De toute façon, avec du jazz, il bourrait sa salle. Il y avait dans les spectateurs, trois ou quatre messieurs, enfin, des vieux machins, il devait avoir 33 ou 34 ans, quoi, qui nous regardaient du fond. Et à la pause, ils sont venus nous voir et ils m'ont dit, voilà, on monte un nouveau club bientôt, on voudrait des gens sérieux, etc. Alors, on va auditionner des orchestres pendant 2 ou 3 mois, et dans notre club qui est en réparation, là. Mais on va quand même l'ouvrir gratuitement au public pour qu'ils prennent l'habitude de venir. Est-ce que vous voulez faire partie du lot? Alors, il y avait 7 orchestres et on a défilé pendant 3 mois, une à deux fois par semaine. Et au bout de 3 mois, ils ont dit, bon, on va ouvrir au mois d'octobre tous les jours Ouais. et c'est votre orchestre qui a été choisi. Puis, Pour le slow club, c'est pour le ça? slow club, Ouais, ça va c'était le s'appeler début le du slow slow club. club qui va Et durer 15 alors, ans. c'est vous qui avez été choisi. Et là, on a hurlé, quoi, mais c'est pas possible. Je trouvais que je connaissais les autres orchestres. Il y avait l'orchestre des frères Jeannot, qui est devenu, lui, très célèbre en jazz moderne après, François Jeannot. Et Ah oui, tout à fait, oui. Qui a dirigé l'ONG d'ailleurs. il m'a écrit, oui, il est, bien sûr, bien sûr. Et François est. Il jouait comme un dieu du soprano, je ne comprenais pas pourquoi j'avais été choisi. Alors j'ai dit, bon, alors on est les meilleurs, et tout ça, c'est formidable. Ah non, pas du tout. Ils m'ont répondu, pas du tout. Vous n'êtes pas Parce que les vous êtes juste meilleurs. les plus sérieux, les plus sobres et ceux qui arrivent à l'heure, c'est bien ça? Exactement, vous êtes ceux qui arrivent à l'heure. Et ça m'a marqué pour ma vie entière. J'ai dit, il faut être sérieux dans le boulot, même si c'est récréatif. Et il dit, vous êtes les seuls à pas vous saouler la gueule et à arriver toujours à l'heure. Et nous, on montre quelque chose de sérieux. Vous aurez des progrès à faire, mais en jouant tous les soirs, vous allez y arriver. Alors là, il y a deux, trois de mes music des musiciens, je dis de mes musiciens, ils m'appartenaient pas, les pauvres choux, qui m'ont dit non, nous, on peut pas, on fait des études sérieuses, on s'en va. Et il a fallu que je reconstitue l'orchestre pour commencer au mois d'octobre 1957 et où je suis resté jusqu'au mois d'octobre 1972, tous les jours, sauf le lundi. Mais pour rattraper la séance du lundi, on faisait le dimanche en matinée, donc 7 séances par semaine. Et là, Ah ça a oui, quand même, été quel rythme, énorme. quel rythme. Ah ben là, j'ai tout appris, c'était devenu mon métier, vraiment. Et pour me. Alors, avant, j'avais quand même commencé un autre boulot. J'étais sous-chef du service occasion dans un garage Peugeot à Colombes. Oui, rien à Et voir. oui, ça n'avait rien à voir, mais j'adorais les bagnoles. Et à l'époque, j'avais acheté une magnifique Delahaye. Ça ne coûtait pas un clou parce que la marque commençait à s'arrêter. J'avais un cabriolet Delahaye 135 mm type Le Mans, décapotable et tout. Et j'ai eu le courage de la vendre pour que je puisse avoir des sous pour le distribuer aux musiciens, pour payer mes musiciens mieux, pour avoir des musiciens supérieurs à moi.
Ah oui, vous avez été obligé d'hypothéquer la voiture, quoi. Voilà, Ouais. j'ai quitté ma belle voiture qui était un piège, un nana formidable, mais tant pis, c'est vendu et j'ai attendu plusieurs, oh, pas plusieurs années, non, non, j'ai attendu un an avant de me racheter une bagnole Très bien. que j'ai rachetée à André Réveillotti, qui était une Hotchkiss Grégoire décapotable dont il n'existait au monde que 8 modèles, et celle-là avait transporté Béchette dans toutes les tournées de Réveillotti. Ah oui, vous l'auriez gardé, vous auriez eu une voiture de collection qui aurait rapporté gros aujourd'hui. Mais écoutez, je vais vous dire. Marc, j'aimerais juste revenir sur un point. Tout à l'heure, vous me parliez du choc que vous aviez reçu en écoutant pour la première fois Sidney Bechet, Oui. qui est curieux quand même, pas curieux, mais par rapport à des gens de votre génération. Vous êtes né le 15 janvier 1935, Oui. beaucoup de jeunes de votre âge était attiré par la révolution Charlie Parker du moment, alors que vous êtes attiré par la musique New Orleans, j'ai envie de dire des Vous parents, on avez. va dire. Donc j'ai envie de savoir est-ce que vous avez été sensible à la musique de Charlie Parker et Alors, comment vous pas avez du tout. vécu cette dualité entre le New Orleans et puis le bebop? Ah, mais cette rivalité avait été créée par le clan Panassier et le clan Delaunay, mais surtout, je disais à mes copains, mais attendez, vous allez trop vite. J'ai même pas fini d'écouter le 20e de ce qui s'est passé en jazz Nouvelle-Orléans, que vous voudriez que je passe déjà au jazz moderne, mais j'y comprends rien. Moi, Charlie Parker, j'y comprends rien. Ça ne me touche pas. Je trouve que c'est une musique froide et tout. J'ai mis presque 25 ans avant d'apprécier Charlie Parker. Alors, à partir de ce moment-là, j'aime mieux vous dire que j'en ai bouffé. Mais j'ai adoré. Mais ça ne me plaisait pas du tout. J'étais sûrement un sale conservateur sans le savoir, mais surtout, j'avais lié des amitiés avec des gens célèbres de ce bord-là. Maxime était un D'accord. super copain. Claude, je l'aimais tellement que je l'ai fait rentrer au Slow Club avec son quartet en vedette. Moi, j'étais l'orchestre titulaire, mais lui, il était l'orchestre vedette. Toutes les fois qu'il pouvait, c'est le moment où il avait quitté le vieux Colombier, donc il était ravi d'avoir un endroit où il pouvait jouer toutes les fois qu'il en avait envie, parce que il pouvait donner des rendez-vous là quand même pour qu'on l'écoute, mais on l'écoutait de toute façon, Claude Véter. Et alors moi j'étais c'était les plus intellectuels. Moi j'étais pas un intellectuel, je me suis arrêté, je vous dis, à la classe de philo. J'ai rien fait après, mais tous ceux qui avaient un peu une culture supérieure à la mienne se dirigeaient vers le jazz qu'on appelait moderne à l'époque, Oui. Donc en fait, à vers Paris, le bebop. C'était le bebop. il y avait ceux qui allaient au club du Chat qui pêche et ceux qui allaient au Blue Note et puis ceux qui restaient fidèles au vieux Colombier, au caveau de la Huchette, quoi. Il y avait deux clans. Oui, il y avait deux clans, mais il y en avait certains qui pratiquaient les deux. Et qui aimait D'accord. les deux. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller écouter Chet Baker en direct à cette époque-là au Chat qui pêche. Même moi qui aimais surtout, enfin qui n'aimais que le jazz classique, j'arrivais à détester l'orchestre de Chris Barber parce que je trouvais que c'était la foire, que c'était Zim Bam Boum, et à apprécier quand même Chet Baker, vous l'avez rencontré, Chet Chet Baker? Baker. Il y avait des anecdotes à nous raconter avec Chet. Ben, j'ai rien à vous raconter parce que j'étais subjugué, moi. Je m'asseyais dans le fond chez la mère Ricard, qui par gentillesse ne me faisait plus payer la place ou le demi de bière, et puis j'écoutais fasciné parce que. Même si j'aimais pas tout ce qu'il faisait à la trompette, il chantait tellement bien et tout. Et puis finalement, j'ai adoré ce qu'il faisait à la trompette parce que c'était d'une grande sobriété, c'était superbe. Mais c'était pas mon jazz. Et puis j'allais aussi aux Trois Maillets. Alors aux Trois Maillets, il y avait l'orchestre de Michel Adnou qui jouait très très bien du soprano.
J'ai eu la chance après de l'avoir pendant 3 ans dans mon propre orchestre, mais il y avait des invités, il y avait des son pianiste jouait plutôt, enfin il jouait beaucoup plus middle jazz que Nouvelle-Orléans, et j'aimais bien ça quand même. Mais tous mes copains étaient dans le, tous mes copains les plus chers étaient en plein dans le jazz Bebop? Nouvelle-Orléans, Ah, donc Newt, d'accord. j'étais au fait de tout ce qui se passait dans ce style-là. Et puis après, je suis devenu un des trois. Mais vous deviez croiser des musiciens américains qui faisaient cette transition entre le swing et le bebop, comme Don Byas, qui était installé à Paris, par exemple. Alors voilà, ben Don Byatt, voilà un que j'allais écouter au Trois Maillets. C'était formidable. Non, ça Quelle marchait. personnalité il avait, Don Byas? Don Byas, c'était un peu le Dean Martin. Hein. Ah oui. Il s'appuyait contre le mur pour jouer. Mais Ah, d'accord. il fermait les yeux et c'était magnifique. Ouais. C'était magnifique. Lester Young aussi qui passait dans le coin de D'accord. temps en temps. Et puis, moi, j'ai eu la. En plus, j'ai été un petit vernis. J'ai donc mes premiers contacts avec un musicien américain pour jouer avec lui, c'était Mesmero, que je ne trouvais pas un très bon clarinettiste, mais que je trouvais un merveilleux chef d'orchestre qui prenait son temps pour donner les tempos et qui donnait à tout un orchestre envie de jouer, qui était quand même un bon improvisateur. Bon, et puis, de là, Mesmero est venu de temps en temps au Slow Club. Mais quand il y avait des musiciens américains qui passaient à Paris, en particulier en 62, je crois, quand il y a eu le tournage du film Paris Blues, il y avait Ellington et Armstrong à Paris avec leurs musiciens, parce que Armstrong revenait d'une tournée en Afrique et après son film en France, il partait en Allemagne. Donc il a préféré garder ses musiciens avec lui. Tout le temps, même s'il n'était pas dans le film. Dans le film, il y D'accord. avait Ellington et Armstrong. Et les musiciens d'Armstrong se baladaient. Et il y en a un qui adorait venir au Slow Club, et c'était Barney Bigard. Ah oui, Alors, d'accord. il en a profité d'ailleurs pour faire un disque avec Luther, mais il n'aimait pas jouer avec Luther le soir au public, il voulait jouer avec mon orchestre. Je ne sais pas pourquoi. Claude Luther et puis Barney Bigard, c'est vrai que ça aurait été un sacré Ben, combo. ils ont fait un très beau disque ensemble chez Vogue et qu'on trouve toujours, hein. Mais du coup, comme il avait joué l'après-midi avec Claude pour enregistrer, il préférait jouer avec un orchestre complet le soir, parce que moi j'avais trombone et trompette en plus. Et donc, il venait jouer et il a joué tous les soirs pendant 19 jours. Et c'était moi qui le raccompagnais à son hôtel avec ma deuxième voiture, la voiture de Réveillotti, là. Je le ramenais à son hôtel tous les soirs. Il était ravi, il était là avec sa femme. Donc, du coup, il y a d'autres musiciens américains qui ont pris l'habitude de venir, dont Bill Coleman, qui, lui, s'est installé en France. Vous savez, les musiciens dont je vous parlais, qui étaient dans ce qu'on appelait le shape, les bases américaines, quand ils ont été démobilisés, ils sont repartis aux États-Unis. Et ceux qui étaient musiciens, qui avaient goûté à la vie de musicien à Paris, ils ont tous voulu revenir parce qu'il y avait la ségrégation aux États-Unis. Elle n'y était pas en France. En France, on pouvait monter dans n'importe quel Et autobus, on ça, pouvait. ils vous le disaient, les musiciens, ça? Oui, Ils vous en oui, oui. parlaient? Oui, je reviens parce que la vie est plus agréable en France. Bill Coleman a épousé une Suissesse et il s'est installé définitivement en France. Il y a plein de musiciens Kenny qui. Clark. Comment? Kenny Clark également. Kenny Clarke s'est installé complètement. Et eux, c'était le Blue Note et tout ce quoi-là. Moi, à un moment, j'ai eu la responsabilité d'un festival de jazz à la montagne, à Supervest, l'hiver, qui a duré 10 ans.
Et j'avais que le, je faisais venir, j'avais une idée, je voulais que les gens se mélangent. Donc, Ouais. j'engageais un orchestre pour un soir, il était payé son prix, mais par contre, il était obligé de respecter, de rester toute la semaine. Et il y avait en dessous de la salle de spectacle un club qu'on appelait le Terrier et où tout le monde se mélangeait. Et j'ai eu plein de musiciens américains. J'avais que le choix. J'ai fait venir Kenny Clarke, oui, bien sûr. J'ai fait venir Albert Nicolas. J'ai fait venir. Ça a duré de quelle année à quelle année, ça, ce Alors, festival? ça a duré de 63 à 73. Et comment il s'appelait, ce festival? Superbest. Superbest Festival. À plein de jazz, ça s'appelait. D'accord. À plein de jazz. Et Marc Laferrière, il y a une vidéo que j'ai vue de vous dans les archives de l'INA où on vous voit invité par Guy Lux. Il y a même Claude François qui est sur le plateau. Et on voyait un parterre de gens mais danser mais comme des fous sur votre musique. On a du mal à s'imaginer que le jazz était énormément dansé dans ces années-là. ah ben le jazz était dansé, oui. Je peux même vous dire que ma première femme était prof de danse bebop au Slow Club et qu'elle avait beaucoup de. On appelait la danse bebop, mais c'était la danse classique du jazz qu'on voit dans les vieux films américains. Et elle avait beaucoup d'élèves. C'était la musique à la mode, hein, vraiment. Hein. Comment. Johnny était déjà né, mais si vous saviez comment ça s'est fait, Carlos dansait très bien le bebop, mais c'était la Huchette, le Kentucky Club, le Slow Club, même le Vieux Colombier, c'était avant tout des clubs de danse où les gens venaient pour écouter du jazz et le danser en même temps, hein, vraiment. Et Est-ce qu'il y avait des gens du showbiz qui venaient vous voir dans les clubs comme oui, ça? moi Vous avez je des noms à sais nous que citer? Jean Ferrat adorait ça, Pierre Mondy venait souvent au Slow Club, mais oui, il y en a qui venaient même incognito. Il y avait le père de Michel Darnay, Cholon, qui venait, il y Ah, il y avait avait le professeur Choron qui professeur venait. Choron, professeur Choron, C'est vrai? Il venait vous voir au caveau de la Huchette, non, au Slow oui. Club, c'est Il ça? venait au caveau de la Avec Huchette. son pull rouge et sa cigarette, Oui, c'est ça? Ouais. et ses demandes impératives de tel ou tel morceau. Il Ah, y il venait vous voir, avait. il vous demandait des morceaux comme Oui, ça. je me souviens plus lesquels, mais là, je crois. Enfin, il demandait des morceaux Est-ce dont qu'il il venait pouvait sur jouer scène tout. chanter sur avec vous aussi? Non, 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 il non, n'est non, pas. Ouais. non. Il y avait. Bon, et puis il y a eu mon aventure Albert Nicolas et surtout Bill Coleman, avec Ouais. lequel j'ai fait des tournées. Je faisais des tournées pour les Jeunesses musicales de France Ouais. en pagaille. Et j'ai reçu des milliers de dessins d'enfants Ouais. ou des rédactions après les concerts. Les profs leur demandaient de faire une rédaction. C'était des CM2, des 6e, des choses comme ça. Il y a même une aventure. Quand je me suis fâché avec les Jeunesses musicales de France parce que. Je faisais donc des tournées pour eux depuis 3 ans. Ça marchait tellement bien qu'ils m'avaient donné une récompense. Ils m'avaient envoyé à l'île de la Réunion il fallait envoyer quelqu'un à l'île de la Réunion pour les collèges et les lycées français, là. Bah, français, évidemment, puisque c'est l'île de la Réunion, je dis des conneries. Et ils m'ont choisi pour me récompenser du succès qu'avait eu mon orchestre pendant 2 ans, les tournées en France. Eh bien, un jour, et pour être à la mode, ils m'ont obligé à prendre un carrousel de photos et à mettre des photos
en même temps que j'expliquais les choses, des photos, de la fédérale, de Louis Armstrong, et tout. Et je me suis aperçu que c'était une connerie monstrueuse, parce que je ne recevais plus de dessins, je ne recevais plus de rédaction, les JMF non plus ne recevaient plus rien, et j'ai été leur expliquer dans une grande réunion, votre idée du carrousel est complètement idiote, parce que vous imposez des images aux enfants au lieu de leur laisser travailler leur imagination. On leur impose les choses au lieu de les laisser rêver. Et ça fiche en l'air complètement toute l'ambiance de mes concerts, etc. Et si la direction et le... On dépendait du ministre de la Culture, du ministère de l'Éducation et des Jeunesses musicales de France pour ces tournées qu'on appelait JMF, Je meurs de faim, parce que chaque concert était extrêmement mal payé. Mais comme il y en avait trois par jour, des concerts, deux l'après-midi et un le soir pour les adultes, on s'en sortait quand même très bien. Et j'ai dit à toutes ces à cet aéropage de col blanc, si vous continuez à m'imposer les photos, je démissionne. Ils ont continué à m'imposer les photos et j'ai démissionné. Mais j'avais fait 880 concerts pour les JMF quand même. Ah oui, tout de Oui, même. Ah oui. Et puis là, la clientèle, après, je suis rentré dans la grande aventure de l'orchestre qui était de travailler pour une grosse, une énorme maison comment ça, d'événementiel. oui, alors j'allais y venir justement parce que Ça, c'était fou, ça, si on peut c'était faire une fou. comparaison avec un petit jeu de mots, on va dire que votre carrière, elle a vraiment décollé. Avec un vol d'Airbus qui s'est déroulé Oui, en juin 74, ça a été l'élément exactement. déclencheur de votre carrière internationale. Oui. Il y a eu à cette époque-là Yves Mourousi qui vous a contacté pour faire l'animation musicale d'un vol Paris-Toulouse. Oui. Et en fait, l'organisation a énormément apprécié votre animation. C'était bien ça? Alors, ça, oui, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Yves Mourousi m'avait demandé en 1974, c'était du Yves Mourousi tout à fait. Marc, est-ce que vous êtes libre samedi prochain? Je dis non, théoriquement, j'ai un concert à Nancy, à l'école de chimie de Nancy. On travaillait beaucoup pour les bals d'étudiants. Et il me dit, ah, je suis embêté parce que j'ai téléphoné à Claude Luther, il n'est pas libre. J'ai téléphoné à Maxime Sory, il n'est pas libre. Alors vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bal? J'anime avec deux autres orchestres le bal des étudiants de la chimie. Bon, s'il vous libère à 3 h du matin, est-ce que vous pouvez être à 8 h à Orly? Je dis, mais Ah attendez, j'ai un contrat de signer et tout. Oh, il dit ça, je m'en occupe. Bon, ben, et il me rappelle 1 heure après, il m'a demandé le numéro du bureau des élèves, du type qui avait signé les contrats, et il lui a offert de la pub gratuite sur la radio pour son bal, moyennant quoi il fallait qu'il me libère à 2 h du matin. Et les mecs ont dit oui. Alors on est arrivé excité comme tout à 8 h, à 7 h 30 du matin, on s'est rasé dans En nuit les toilettes blanche, bien d'Orly, sûr, en nuit blanche. et oui, nuit blanche, 12 cafés, et on était énervé comme tout. Alors on est monté dans l'avion, mais là, on n'a rien fait. Et on s'est posé à Toulouse et tout de suite on est remonté dans le premier Airbus qui n'avait pas Oui. de siège. Il y avait encore les câbles partout. C'était le numéro un qui faisait son vol inaugural avec inaugural, attends, ça devait faire 6 mois qu'il volait en douce, mais le premier public. Et Yves avait choisi un orchestre pour faire voir comme c'était grand parce qu'on mettait un piano dans l'avion. Et nous étions avec Sylvie Vartan et avec Jean-Jacques Debout. Coup de Ouais. peau, Yves fait son émission avec des intermèdes de Debout et de Partant. Sylvie. Ils ont été tous les deux malades. Ils ont passé leur temps à dégueuler. Ce qui Ah fait que, oui, dans l'avion. Et on tournait au-dessus du hangar où avait été construit l'avion, sur les Pyrénées. Au-dessus des oui. Pyrénées. Et ben, on a entendu que moi. On a entendu que mon orchestre dans toutes les interventions pendant 1 h 30 le dimanche. Quand on s'est posé, il y avait un hangar où il y avait 800 personnes.
invités que des gens. Des ingénieurs d'Airbus et compagnie. Mais oui, exactement. Et puis, donc, puis beaucoup de politique et tout ça. Mm-hmm. Et on a été invités à manger le foie gras et tout. Et là, Yves nous dit, vous êtes encore en forme. Ah, ben, tu parles qu'on est en forme et on était tout contents. Et on s'est mis à jouer entre les tables à tout avant de nous mettre nous-mêmes à table devant notre foie gras. Et là-dessus, après, il a fallu ramener tous les officiels à Paris dans un autre avion. Je ne sais pas ce que c'était, moi, je prends un Boeing, j'en sais rien. Dans un autre avion, et l'excitation a duré, ce qui fait que, à la sortie de l'avion, on s'est mis sur deux lignes et on a fait une haie d'honneur musicale à tous les gens qui descendaient. Ah oui. Et le lendemain, Mourouzi me téléphone à moitié content, oui. Ravi en fait. Il me dit, Marc, j'ai reçu 230 télégrammes de remerciements pour la journée d'hier et vous êtes cité dans tous les télégrammes presque un peu plus que moi. Oui, heurté dans son ego. Vous pouvez passer au bureau. Oui. C'était pas loin, j'habitais à la place d'Iéna, je passe à la maison de la radio, j'y vais à pied, tout excité encore. Et là, il me dit, bon, je viens d'être nommé au changement de l'ORTF le 1er janvier 1975, je suis le journal de TF1 tous les jours et le dimanche, j'ai une émission à moi récréative qui s'appellera Bon Appétit. Vous serez l'orchestre chargé d'animer ça. Je veux une vedette américaine tous les 15 jours. Vous vous débrouillez pour faire venir. Je veux un Américain tous les 15 jours. Vous jouerez 2 à 3 morceaux. Vous me composez l'indicatif et vous venez me le présenter la semaine prochaine. Ah oui, ça fait beaucoup de choses à faire en peu de temps. Hein. Et de 75... Alors, j'étais abasourdi. Et de 75 à 80, ça a duré... Il y a eu une année qui a sauté, je crois que c'est 79. Et il a repris en 80. Ou 78, il a repris en 79, peu importe. Et j'ai eu l'indicatif. Un des 3 morceaux que je jouais était composé par moi ou par un de mes musiciens. On s'est fait des, j'allais dire non, mais on s'est fait des, on s'est fait des carnets de chèques en or là avec la SACEM, ouais. Avec nos cachetons de la télé toutes les semaines. Et immédiatement, j'ai reçu au bout de 2 mois de présence un coup de téléphone d'Europe 1 pour m'engager pour la tournée des 100 jours, c'était la plus grande tournée de variété française, payée par des pubs d'ailleurs, et qui durait 100 jours de travail plus un jour de repos par semaine. On partait en avril, on revenait en mai. Et c'était facile à gérer ça au niveau de la fatigue physique, ce rythme effréné? Non, mais on s'en apercevait pas tellement j'étais excité, on était excité. Vous savez, faire de la télé toutes les semaines en tapant dans le dos de Christophe qui voulait mettre des paroles sur un de mes morceaux... Oui, il y avait une effervescence culturelle à fréquenter tous ces artistes-là qui dépassaient finalement la fatigue. Ouais. Et nous ne sommes restés que 2 jusqu'au bout de l'émission parce que Mourouzi était un type formidable, mais bourré de défauts et bourré de qualités. C'était un type qui savait déléguer. C'était un type qui était d'une fidélité absolue, mais c'était un type, si vous le déceviez une fois, vous étiez viré. Et je l'ai vu virer plusieurs personnes que je nommerai pas, mais toute l'émission, les 4 ans d'émission, celui qui est resté, c'est le cuisinier étoilé de La Rochelle qui s'appelait Serge, le restaurant Serge de La Rochelle qui était étoilé, et mon orchestre. Mais c'était du direct, c'était excitant comme tout. Ouais. On pouvait pas revenir en arrière. Et le cuisinier, il faisait la cuisine. Ça sentait très bon dans le studio et dès que l'émission était finie, on se précipitait pour bouffer ce qu'il avait cuisiné. Ah, on oui. est devenus très très copains comme ça. Mais j'ai rencontré beaucoup de monde. J'aurais pu faire, si j'avais vraiment été suffisamment lucide ou opportuniste, j'aurais écrit des chansons pour, je sais pas, Fugain adorait l'orchestre. Quand il était invité à l'émission, il me donnait des billets pour aller les voir. Donc, j'ai connu Magdan qui faisait partie de ça et que j'ai revu après dans une tournée de Ramonio Monte Carlo. Alors, le fait d'être lassé un peu, ça pouvait arriver à tel point que quand Radio... la quatrième année, je l'ai refusé
Europe 1 et le patron n'était pas très content. Mais j'ai dit, écoutez, je voudrais voir grandir mes enfants, je voudrais être un peu en vacances avec eux et tout ça. Et c'était pour les motifs personnels que vous avez arrêté ces derniers. Pour des motifs personnels, vraiment. Et puis l'orchestre en avait un peu marre aussi de partir 100 jours. Ils avaient les mêmes problèmes que moi. Donc on a refusé immédiatement après, deux saisons après, c'est Radio Monte Carlo qui me demande de venir faire des tournées uniquement 45 jours. Et là, j'ai réalisé un des rêves de ma vie. J'ai toujours été amoureux de moto. Et je leur ai proposé de remplacer les affiches de chaque ville par une parade du cirque, une parade en moto. Et j'ai monté un orchestre en moto. Ah oui, tu fais foot de ah oui, en gros cube, tout, c'était magnifique. Il faudrait absolument que je vous envoie des photos de ça. J'ai vu des photos sur Internet déjà, on vous voit sur des motos. Des grosses motos, ouais, les mêmes. Oui, que des grosses motos, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Oui, on était sur des 6,5. On avait des instruments miniaturisés dans les sacoches. On allait de ville en ville le matin, on faisait 7 ou 8 localités autour du grand point où était installé le chapiteau. Mais vous jouiez comment alors? Vous jouiez sur la moto ou comment ça se passait? Non, on mettait les motos en arc de cercle. Ouais. J'avais un micro pour annoncer le spectacle dit soir, ce soir, Rollo McDan, Chardin, Eddie Mitchell. C'est vous qui étiez l'animateur en plus. Hein? Vous étiez l'animateur en plus. Animateur, oui. Ça ne me faisait pas peur là. Ouais. Et puis là-dessus, on jouait deux morceaux. On aura le plaisir de vous accueillir avec ça. On jouait évidemment, ça réunissait beaucoup de monde, puis ça s'entendait loin. On remettait les instruments dans les sacoches et on partait à la ville d'à côté. Mais ça se voyait parce qu'on faisait même des petites acrobaties, il ne faut pas exagérer. Mais on arrivait à monter debout sur les selles ou à marcher les bras en croix. Pour faire... Ça faisait de l'effet. Il a fallu que tout le monde passe son permis. Il y en avait qui ne l'avaient pas dans leur cas. Ah oui. Il y en a même eu un qui a eu son permis la veille, de départ. Alors, autour de cette époque, c'est vrai, vous avez animé une émission de jazz sur Radio Monte-Carlo en 1980, où c'est vous qui composiez le programme autour des artistes de jazz, c'est bien ça? Alors oui, ça c'était... J'ai toujours voulu privilégier les musiciens français, enfin privilégier, les mettre en valeur parce qu'il y avait des merveilles qu'on oubliait. Bien alors, sûr. Dans mon émission, je prenais un musicien, par exemple, le clarinettiste Stéphane Guéraud. Je lui demandais quel est ton modèle en jazz, qui a été ton modèle. C'était Barney Bigard. Alors là, un des musiciens de l'orchestre qui s'appelle Rémi Lavenne faisait un tout petit historique de qui était Barney Bigard. Et on passait un morceau de Barney Bigard. Et puis là-dessus, après ça, tout était consacré à Stéphane Guéraud, clarinettiste. Et j'ai passé comme ça une soixantaine de musiciens avant que c'était une émission qui avait lieu de octobre à juin. Et j'ai fait deux saisons. Et puis à l'élection de Mitterrand, Le directeur de la chaîne a changé. Quelques acteurs de la chaîne ont changé. Mmh. Et puis, ils ont voulu... La chaîne appartient en particulier à la Sofirad, qui est une société qui appartient à l'État. Donc, l'État avait son mot à dire. La chaîne ne lui appartenait pas à 100%, mais l'État est actionnaire de ces radios-là. Oui, et puis et alors, les radios libres qui sont arrivées, qui ont un petit peu dénaturé. Ils ont chamboulé les programmes, les programmes mineurs dont faisaient partie mes émissions, ils les ont supprimés et ils ont gardé les grosses émissions, évidemment, pour ne pas perturber l'audimat. Mais au bout de la deuxième année, ils n'ont pas renouvelé pour octobre. Voilà. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai pu passer beaucoup de musiciens français et même des musiciens qui n'étaient pas de mon style. Vous voyez, je commençais à virer ma cutie, à commencer à... Je passais l'oignon, des types... Et vous les invitiez sur le plateau radio? Ils étaient là, présents dans le studio? Oui. Tout le monde était là. J'ai des photos de tous ceux qui sont venus. Oui, oui, c'était en direct. Hein. Oui. Ah non, c'est un mensonge. C'était enregistré le vendredi et ça passait le dimanche soir. Mais on ne pouvait pas reprendre. C'était oui, oui, on enregistrait dans les conditions du direct. Et oui, oui, je les invitais sur le plateau, oui, absolument. Absolument, et ils avaient liberté totale, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Et
Et ça, j'y tenais beaucoup, et que ce soit toujours des musiciens français. Je n'ai pas dû passer beaucoup d'Américains. Par contre, dans les émissions de télé avec Mourousi, là, j'ai passé beaucoup d'Américains. Je me renseignais, j'apprenais que le batteur de Duke Ellington était en vacances à Barcelone. Bon, je le faisais venir. Je pouvais faire ce que je voulais avec Yves Mourousi. Était tellement populaire qu'il était un des rares à avoir un budget illimité. Donc, c'était Oui, et facile. puis il aimait le jazz, je crois, en plus. Il était Ah, il amateur aimait de beaucoup jazz. ça. Il Ouais. aimait beaucoup ça. Quand il avait son émission de radio le dimanche à midi sur France Inter avant d'être à la télé, il invitait toujours un musicien de jazz au cours de son émission. C'est d'ailleurs en me souvenant de ça que quand j'ai eu une émission de radio, je les ai consacrés aux musiciens français. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu, votre orchestre a eu quand même le vent en poupe là, dans cette décennie 70-80, parce qu'on vous voit dans les images d'archives invité sur un nombre incroyable d'émissions de télévision de l'époque. Oui. Ben oui, parce que quand vous êtes connu sur une émission aussi importante que celle de Mourousi régulièrement, je suis passé à. J'ai fait des émissions pour Drucker, des Champs-Élysées, des choses comme ça. Il y en a même un où il m'a offert ma plus belle émission. Ah, tu veux bien te taire? Voilà. C'est mon chien qui est à côté de moi et qui dit au revoir à la femme de ménage. Bon. D'accord. J'ai eu des périodes extraordinaires avec cette grosse boîte de publicité, pas de publicité, d'événementiel, qui m'a emmené en Égypte, qui m'a plusieurs fois, qui m'a emmené en Autriche plusieurs fois, qui m'a fait connaître des gens incroyables, incroyables. Je peux pas les raconter toutes ces aventures, je vais vous prendre 5 heures de temps, Non, c'est mais vrai. Mais est-ce qu'on peut dire que le fait que votre groupe a eu beaucoup de notoriété à cette époque-là, c'est aussi, en reprenant l'exemple de l'Airbus, c'est-à-dire que la musique New Orleans, elle a quelque chose qui touche au cœur des gens directement, plus peut-être que cette propension à alors, toucher les gens oui. dans leur âme. Et c'est une musique qui, quelle que soit notre culture d'origine, elle a cette force à toucher et puis à animer quelque chose en nous, quelque chose de... Absolument. Voilà. Et c'est une musique, c'est une vraie universalité. C'est-à-dire Exactement. que le cultivateur y emmenait son père et le notaire y emmenait ses enfants, quoi. Ça touchait toutes les tranches d'âge, énormément le milieu estudiantin, parce que il y a des tas de collèges, par exemple à Marcillac. Le prof de français qui était Monsieur Guillaumont à l'époque se servait des paroles de chansons de jazz pour faire travailler ses élèves la langue américaine ou la langue anglaise, et Ouais. avec même l'argot et les choses comme ça. Cette musique très très joyeuse touche directement au cœur et aux tripes. Ça s'adresse pas à l'intellect. Ça s'adresse, c'est une musique absolument directe que tout le monde aime. Oui, Ouais, ça touche tout le monde. instinctive quoi, Et c'est, musique. alors, on dit que c'est très festif, oui, mais ça touchait aussi. Souvenez-vous moi, quand j'ai des gens qui décèdent dans mon entourage, je vais souvent jouer ce qu'on appelle vulgairement l'enterrement à la Nouvelle-Orléans, et les gens pleurent, quoi. Oui, Ah oui, oui. Il n'y a pas c'est que les des morceaux trucs très très festifs. touchants. Il Si n'y avait on pas que prend le la morceau rigolade. Nénuphar, par exemple, c'est un morceau qui est lent, avec un tempo lent, et Oui. qui a une vocation à toucher dans l'émotionnel, mais qui n'est pas du tout dans un registre festif, par exemple. Oui, tout à fait.